moyenne surface. Dans les allées de l'hypermarché Carrefour d'Aix-en-Provence, une centaine de salariés en grève protestent. Ils dénoncent un plan social qui prévoit la suppression de près de 3000 emplois sur l'ensemble du territoire. On demande que toutes les mesures que M. Bompard a annoncées le 23 janvier soient d'ores et déjà considérées comme caduques. On demande un véritable dialogue avec lui pour aller à l'inverse de ce qu'il prétend. Parce que nous, qui vivons dans les magasins tous les jours, on sait comment ça se passe, on sait les ruptures, on sait les clients mécontents, on sait tout ça. Dans le collimateur du groupe, les enseignes de proximité, Carrefour, Contact et Proxy. Sur les 71 magasins du sud de la France, près de la moitié devraient fermer leurs portes. C'est des commerces de proximité. Moi j'habite au Jas de Bouffan, j'en ai un, donc c'est vrai que c'est très pratique. On n'est pas obligé d'aller se déplacer dans les grands magasins, donc oui. Ça va beaucoup nous manquer. Oui, c'est normal qu'ils se battent pour leurs droits. Ils ont raison et je suis de tout cœur avec eux. Emmanuel Lopez est agent de sécurité au magasin Carrefour Grand Littoral à Marseille depuis 21 ans. Aujourd'hui, il craint pour son emploi. À notre avis, selon nous, les chiffres ne sont pas réels. Et c'est, je dirais, que la face cassée de l'iceberg du plan. Et on ne sait pas à quelle sauce ça va être mangé aujourd'hui. Après une semaine de mobilisation, les salariés semblent déterminés. D'autres actions dans la région sont déjà prévues dans les jours et les semaines à venir.